Il y a un meneur de culte qui t'a raconté que l'Italie mène un culte dans une assemblée et puis le pasteur de l'église là était complètement dérangé. Qui raison que le pasteur était dérangé? C'est parce que les gens ont commencé le culte là avec un cœur. Ça que je dis, il y a un peu de monde qui est ticket. Est-ce que il y a un problème, je dis, pour nous chanter cœur chant ou bien est-ce que c'est dans le chant pour nous chanter? Nous parlons ça tout de suite. Dans la vidéo ça. Salut, bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi c'est adorateur Bertin d'Orville-Mort. Je dis à nous très content pour nous ensemble pour nous parler de sujet ça. Sujet ça qui peut être très sensible et qui fait un pile débat, vraiment un pile débat dans le secteur évangélique. Il y a des gens qui disent que il n'y a pas de question cœur. Bon, il y a des gens qui sont au ticket, qui ont trouvé que l'appellation nous mettait un peu en question. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de question chanter, petit bout de chanter ça. Il y a des gens qui disent que c'est musique dans le livre chant. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de question de musique dans le livre chant parce que la musique ça est trop ancienne, c'est une nouvelle musique pour chanter. Ou même qui sont adorateurs, ou même qui sont adoratrices, jeudi a nous t'avle fait un petit parler sur ça qui ça ou même ou comprendre de ça et qui ça question est en réalité. Donc chanter en cœur chant, chanter en musique dans les chants, est-ce que c'est ça vraiment qui fait la différence dans un culte? Donc dans début vidéo a nous t'ai raconté une histoire d'un meneur de culte côté que un pasteur t'est vraiment dérangé parce que meneur de culte là, tu commences culte là avec un cœur. Ça veut dire musique qui peut être de musique contemporaine. Musique qui est à peine sortie, soit en musique de Deli Benson, soit en musique de Jim Alcindor, etc. Pour nous citer ça seulement. Est-ce que c'est ça qui fait la différence dans un culte? Donc, l'adoration en esprit en vérité, et que nous gagnons pour nous voir ça, sous channel ça, qui sa adoration en esprit et en vérité veut dire. Parce que certaines fois, nous trouvons répéter que Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? Adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, moi-même, moi trouvais que la grande différence, c'est le Saint-Esprit. Parce que en tant que adorateur, en tant que meneur de culte, nous devons dépendre complètement du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que forcément le Saint-Esprit de Dieu a orienté pour commencer un culte avec une musique qui est dans le chant d'espérance ou bien avec une musique contemporaine? En plus, envirer les aux musiques contemporaines, ou les mêler aux tickets, ou les mêler aux tickets, peut-être gens en pile monde capable briller. Est-ce que c'est l'homme chanter dans le chant d'espérance qui veut dire que m'adorer le Seigneur? Est-ce que c'est l'homme chanter en musique contemporaine qui veut dire que m'adorer le Seigneur? Donc, nous capables de dire que c'est le Saint-Esprit qui connaît le cœur de Dieu. Parce que l'adoration, ça vise le cœur de Dieu. Ça vise la satisfaction de Dieu. Ce n'est pas notre propre satisfaction. C'est la satisfaction de Dieu. Donc, en réalité, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui connaît qui ça Dieu obtient, qui ça qui fait les délices de Dieu dans un temps précis, qui a orienté adorateur là, qui a orienté meneur de culte là, pour capable connaître qui musique exactement pour le chanter. Maintenant, moi crois que faut nous éviter les deux extrêmes. Donc, en partie, monde qui dit que c'est de la musique contemporaine, c'est des tickets, des musiques actuelles, etc., que nous devons chanter, nous devons mettre de côté chant d'espérance. Gen moun tout qui dit que y a pas dans question musique contemporaine parce que c'est des musiques qui pas grand pile parole, qui pas grand pile mot là-dedans yo, donc ba yo musique qui dans chant d'espérance. Moi crois que li extrêmement important pour nous éviter les deux extrêmes.
musique qui n'a chant d'espérance là, c'est des auteurs tankoum, des auteurs tankou nous toutes qui écrivent. Yo juste fait une compilation qui vient ba nou chant d'espérance là. Rappelez-vous bien que chant d'espérance c'est pas une bible que lié, d'accord? C'est un outil que chrétien gagne pour permettre que lui exprimer adoration à l'endroit de Dieu. Mais chant d'espérance là, nous pas capable balayer en même considération par rapport avec yon bible. Donc dans chant d'espérance que n'a chanté là dans l'an, gagne en pile musique qui gagne de problèmes bibliques, qui gagne de problèmes théologiques là dedans yo. Lo analyser yo que tu as supposé mettre en question. Bref, c'est pas de ça que n'a parlé jeudi là. Donc l'important c'est pas chanter dans les chants ou chanter en musique contemporaine. Mais l'important c'est qui musique que le Saint-Esprit de Dieu lui inspire pour chanter en ce moment précis. Donc c'est ça le plus important. Donc je dis à moi quoi que yo gon chant d'espérance, je dis à moi quoi que gen un chant d'espérance qui remanié. Et chant d'espérance ça qui remanié, nous trouver là-dedans les musiques de les Gilbert, nous trouver musique à la banza là-dedans. Donc moi crois que en plus mon cap regarder cette vidéo ça yo connaît yo tendez parler ou bien yo apprendre tendez yo habitué tendez musique les Gilbert yo tendez musique groupe à la banza. Donc jodi a musique moun sa yo yo nan chant d'espérance qui remanié ya. Et m'a posé la question, est-ce que si dans une période de temps yo vinn décider remanier chant d'espérance là à nouveau, est-ce que nous pas trouver là-dedans la musique de Salmis Daley Benson, de musique de James Alcindor? Comme si c'était de ça seulement comme c'est du m'était parlé dans début vidéo. Pour qui ça me dit ça? Parce que sous point par exemple Salmis Daley Benson, musique li yo très demandé, yo très utilisé yo dans culte communautaire que nous fait yo. Donc pas grand rien qui dit que si après remanier chant d'espérance là une fois encore nous pas trouver musique Salmis Daley Benson là-dedans. Donc nous tout qui là nous tout cap regarder vidéo ça, c'est sûr que nous connons Salmis Daley Benson. Donc moi prend exemple ça pour me dire que musique qui dans chant d'espérance c'est des monde tant que nous qui t'ai écrit yo. Donc pour nous terminer, c'est pas une question de me chanter musique contemporaine ou de me chanter musique qui dans le chant d'espérance. Donc moi crois que groupe de monde qui seulement de musique contemporaine yo, là il y a un problème. Et groupe de monde qui peut être seulement dans chant d'espérance yo, là aussi il y a un problème. Moi crois que le juste milieu c'est laisser nous diriger par le Saint-Esprit pour nous capables connaître qui musique qui ça qu'a fait les délices de bon Dieu dans tant que nous a exprimé adoration. Moi j'espère que cette vidéo ça l'a aidé nous et que gain de problèmes de cap dit de faux problèmes que n'a évité poser et qu'on ça n'a metté nous plus en accord pour nous continuer à adorer le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Partagez vidéo ça. Si vous pouvez vous abonner avec channel YouTube là, nous invitez vous capable faire ça pour nous capable continuer faire route là ensemble. Moi c'est adorateur Bertin d'Orville-Mort. À très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.